Salut les petits agrumes, j'espère que vous pulpez bien. Et donc ici nous sommes pour une vidéo sur Animal Crossing New Leaf. Et c'est le 17e épisode. Et donc aujourd'hui c'est la fête des récoltes. Donc cette fois-ci j'ai baissé un peu la luminosité de mon écran de ma console. Je l'ai mis à 2 au lieu de 3. Sur mon appareil j'ai l'impression que ça change pas grand chose mais bon. Mais bon c'est pas grave. J'ai toujours l'impression que mon personnage était en train de briller tellement que j'ai une peau pâle. Mais bon. Donc oui, j'ai fait exprès de m'habiller pour l'événement. J'ai déjà commencé un petit peu avant de faire la vidéo parce que je me suis dit qu'après ce serait chiant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les habitants qui m'ont demandé des poissons. Donc je sais que toi, tu m'as demandé une carpe, voilà. Oui, j'en ai un. Alors, elle est... Tu vas me donner quoi? Bah voilà, c'est ce qu'il me fallait, merci. Bah voilà, j'ai déjà l'objet qu'il me faut. Je pensais... Attends, voir si elle me dit pas un truc. Ah bah vas-y, je suis impatient de le savoir. Du citron, merci. Ok, parce qu'en fait il y avait un autre habitant, c'était Lico qui voulait un truc, mais bon. Non, je disais que Lico aussi voulait un poisson. Ah non, je me trompe, c'est Rouge Pif qui voulait une limande. Bon, pire, je le ferai après pour lui, pour la recette d'après. Donc en fait, ici c'était une recette, je crois que, je sais plus le nom exact, c'était pour des huîtres, enfin une recette avec des huîtres comme ça. Donc j'ai dû prendre une huître et j'ai dû prendre un wakam, donc j'ai dû aller nager quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah oui, chercher un citron. Ouais. Je sais pas. Non, je crois que j'en ai pas dans mon armoire. Faudra que je secoue un arbre. Et les citrons, je n'ai que dans un seul endroit ici. À part ça, Clarabelle, j'avais même pas été la voir. Et je voulais montrer ça, voilà. J'ai fait l'horloge Flora. J'ai décidé de la mettre ici, en fait. Donc, en fait, elle est à côté de la mairie, quoi, en gros. Ouais, je sais, ça peut... À la base, je voulais la mettre beaucoup plus basse, mais je ne pouvais pas parce qu'à cause de la plat, à cause de plein de trucs. En fait, 4 trucs qui fait que je pouvais pas la mettre. La montagne, la rivière, le pont et la place. Voilà, donc je pouvais pas la mettre ici, c'est cool. Donc voilà, bonne raison que j'ai pas pu la mettre, tout simplement. Donc maintenant, on va aller chercher le citron. Ben oui, hein. Elle m'a donné l'indice pour l'ingrédient secret, donc autant le chercher. Quoique, c'est logique quand on y pense. Parce que les huîtres, ça se mange souvent avec du citron. Là, c'est ici. Alors, on va secouer cet arbre-là. On va ramasser du citron. Est-ce que j'ai... Ouais, je les ai tous, ok. Bien fait de prendre à l'arrière, mais bon, j'en ai besoin qu'un seul, de toute façon. Mais la preuve, j'ai plus de place. Ah bah oui, il est midi, là. Oui, c'est mon autre téléphone, pardon. Enfin, quand je dis l'autre, c'est l'ancien qui est toujours allumé. Parce que, moi, ouais, j'ai un iPhone 5S. Et j'ai toujours mon vieux Samsung, en fait. Mais bon. Je l'utilise juste pour certains trucs, en fait. Même si, voilà, je peux plus téléphoner avec. En fait, je suis bête, j'aurais pas dû tous les mettre ensemble. Je vais en retirer, hein. Je suis bête. Bon, c'est parti, on va aller voir Monsieur Dadu. On va lui donner tout ce qu'il lui faut. C'est parti, mon kéké. Ah, la salade d'huître, voilà, c'est ça. Genre, le wakam, c'est les feuilles, en fait. La salade. Oui, je les ai, y a pas de problème. J'ai aussi l'ingrédient secret. Vas-y, tiens, prends-les. Ah, j'ai tous les données, attendez. Alors, huître. Wakam. L'ingrédient secret, je crois que c'est après. Bon, je vais quand même le donner avec, mais on va voir. Non, c'est bien ce que je pensais. Bon, ben, on retire le citron. Voilà, tenez pour vous, monsieur. Je vais quand même refaire un peu le cadrage, non?
sais pas si ça sert à quelque chose, mais. Ouais, je pense qu'en reculant un peu, ce sera mieux. Désolé si c'est chiant, mais bon. Oui, l'ingrédient secret, je l'ai. Je peux même lui donner du bambou si je voulais, mais bon. Ok, c'est parti. Et voilà, la petite salade est fraîche. Et faite. Et frais, j'allais dire de. Tu sais. J'ai un poney de fruits maintenant. Ok, merci. Ah oui, c'est le premier qui donne. Après, je crois qu'il va donner des bubbles dindons. Qui m'intéressent absolument pas, mais bon. Ah, c'est quoi la suivante? Ah, une soupe. Vas-y. Ok, donc du lait pour une soupe. Ok. Ah, ça m'énerve, j'aurais pas dû relâcher la palourde que j'avais tantôt. Je dois encore aller nager. Mais dis donc, t'as décidé de faire un repas fruits de mer ou quoi là? En plus, pour le péton, faudra faire attention. Soupe de coquillage. Ah, ça s'appelle ça une soupe de coquillage, ok. On va y aller. On va aller voir Rouge Pif, tiens. On va voir s'il va pas me donner une bouteille de lait. Parce que Lico, il m'avait demandé quoi encore. Je m'en rappelle plus, mais bon. Ok, Rouge Pif, j'ai ta limande. Oui, je l'ai, monsieur. Alors, tu vas me donner quoi? Oh, ok. J'avais pas besoin de champignons, mais merci quand même. Ah, c'est le beurre! Oh mon dieu, il faudra encore que je cherche du beurre! Merci quand même pour ton conseil. Ok, y a pas de problème. Ok, c'est parti. Bon, faut déjà que je me rappelle de ce que Lico voulait. Attends, je suis sûr que je l'ai en tête, il avait dit... Oh, il y a Barbeau, voilà, ça me revient. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir Clarabelle pour voir ce qu'elle veut, parce que j'ai pas été à la voir. Au pire, je peux aussi recharger la partie, hein. Enfin, quand je dis recharger, c'est sauvegarder et reprendre, quoi, voilà, vous avez compris, quoi. Pour qu'ils m'en demandent autre chose, parce que j'ai quelques poissons sur moi, il y en a peut-être qui vont servir. Hein. Bonjour, Miss Clarabelle. Je crois qu'elle a changé de vêtements, là. Parce qu'avant, elle avait pris un motif que j'avais fait en Vichy, mais bon. Alors, tu veux quoi? Est-ce que j'ai des carassins? Alors, ça, c'est peut-être possible, attendez. Parce que c'est pas un poisson dur à attraper, mais bon. Attends, j'ai dû. Bar commun, non. Chinchor, Cardo, Vivano, bah non, j'ai pas. Ok, c'est bon, bah on n'a plus qu'à les pêcher, hein. Voilà, j'ai déjà fait environ 10 minutes de vidéo, c'est cool. Bon. Je dis ça parce que je le répète encore, mais je peux faire une demi-heure en fait. Donc c'est aussi pour ça que j'avais déjà pris un peu d'avance sur l'événement. Ah, t'as des puces, toi. Ok. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi que j'ai Nasser qui est plus là maintenant. Il est parti, voilà. Et aussi pour ma deuxième cartouche, dont je parle très rarement. Comme j'avais déjà transféré Miro et Rouge Pif, j'ai décidé de recréer une autre ville. Voilà, c'est tout. Donc j'ai juste triché pour voir déjà tous les habitants pour rigoler. Il y en a qu'un seul que j'adore. Et tous les autres, faut avouer que... Enfin bon, de toute façon, je suis juste pour... comme ça, voilà. D'ailleurs, ça fait bizarre de ne plus voir sa maison ici. Voilà, je parle de tout et n'importe quoi. Bon, ben ce qu'on va faire, c'est que... Je crois que je vais aller nager, hein, écoutez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nager un petit moment. Parce que je vais pas m'arrêter jusqu'à ce que je trouve le truc, parce que sinon ça va être trop long. Donc pour le moment, il me reste environ 19 minutes, ok. Donc on va, je sais pas, si je vais nager, et s'il reste environ 10 minutes, je vais arrêter, parce que sinon, je sais, ça va être peut-être long.
Voilà, il me faut quand même du temps pour trouver des bébêtes, hein. Donc, allons-y, nageons, hein. Que je me calme. Attends, il y a un truc ici. J'ai bien de le remarquer. Il y a des chances que ce soit une huître, mais bon, on va le prendre quand même. Voilà. C'est pas ça qu'il me fallait. Ici, quelque chose. C'est quoi, c'est quoi? Ah, ça bouge. C'est sûr que c'est pas une huître. Ah, y a un truc à côté. Ah, génial, c'est ce qu'il me fallait, super. Bon, allez, il me faut plus que l'autre. Non, il est parti, l'autre! Enfin, quand je dis l'autre, je voulais dire celui à côté, mais j'ai plus qu'à espérer que c'était pas celui qu'il me fallait. Ok, à la recherche de la palourde. C'est ça? Ah non, c'est la palourde que j'ai eue, c'est la pétongle que j'ai besoin. Je me mélange les et non. Je sens que cette musique va me rentrer dans la tête pendant un petit moment. Mais bon. Ok, poisson. Poisson! Et voilà. Oh, ça va, faut bien. Bon, ok, j'avoue, je dis pas grand chose. Je suis sûr que vous devez vous emmerder à cette séquence, mais bon. Qu'est-ce que je pourrais raconter? À part le fait. Ben non, je sais pas, en fait, je sais pas quoi te dire. Alors, ici, il y a un gros truc qui bouge. Viens ici, toi! Viens ici! Je sens que ça va être un crabe, je sais pas pourquoi. Tu sais, les fameux crabes poilus, là. Allez! Oula, je fais n'importe quoi avec mon appareil, là. Ah non, c'est un plus gros crabe. C'est un crabe des neiges. Après la reine des neiges, nous aurons le crabe des neiges! Ok, c'est bon, je. Ah, c'est une nouvelle prise! Faudrait que j'y pense à l'amener au musée alors. Ah ben il m'en restera plus que 3 alors. Parce que je sais bien qu'il m'en manquait pas beaucoup dans les fruits de mer. Non mais tant mieux hein. Faut bien que je complète le livre. Enfin le petit carnet plutôt mais bon. Et moi et mes blagues de merde aussi. Je suis sûr que vous allez dire mon Dieu mais c'était trop facile cette blague. Tu peux l'acheter à la poubelle. C'est quoi? Mon Dieu, c'est un... Non, c'est un peu petit, ça. J'ai sauté parce que j'avais pas bien vu. Je veux pas d'huître. En plus, en vrai, j'aime pas ça. Ah, j'ai plus de place. Bah oui, bah oui, bah oui. Non, je veux pas le prendre, hein. Bon, on va faire un tri, alors. Bon, j'ai juste libéré un petit peu de place, hein. J'ai dû déposer des trucs par terre, mais bon. J'espère que ça ira. Je sais pas si c'est bien cadré en fait maintenant que j'y pense. Bon, c'est possible que non parce que comme j'ai bougé l'appareil hein. J'espère. Ouais ça court là. Bon ça peut pas être ça mais on va essayer de l'attraper quand même hein. Parce que je sais bien qu'un pétongle ça court pas aussi rapidement. Je sais bien que ça bouge mais pas à ce point là. Attention, je le savais. Pas assez de respiration. Mon personnage respire pas assez. Bah ça c'est un peu normal en même temps dans l'eau, t'es bête. Oh mais tu je suis chiante moi. Oh, ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais pas l'attraper ton machin alors. Enfin, je vais quand même essayer. Allez. Yeah! La meuf qui court après un machin, on sait pas comment s'y taper. Oh, c'est trop rapide, ça fait mal aux doigts. Allez! Oh, j'ai mal. Tout ça pour un purée de crabe royal. Je parie que je l'avais pas non plus. Non, mais genre. Non, parce que j'ai bien vu que j'avais pas celui-là. Bon, ouais, il me restera plus que 2. En fait, tu vois, dans la vidéo, je complète ce qui me manque. Oh ça va, arrêtez de courir, hein, bande de chapoulou là. Voilà, j'invente même des mots. Non sérieux, un chapoulou. Ça existe même pas. J'invente ces trucs. Bon, faudrait peut-être que je aille voir les. Ouah, je suis pas le même plus français en plus. Bon attendez, parce que. Oh purée, ça fait que de courir. Mais arrêtez de courir. Ça, en plus ça a l'air d'être ça parce que c'est petit. Enfin, c'est pas grand, hein, voilà.
Mais non, je veux pas des crabes. Retenez vos crabes. Allez, encore 3 minutes de recherche et c'est bon. Non, je le savais. Bande de boubou. C'est parce que. Bon, j'avoue, j'ai pas. Je suis même pas sûr d'avoir encore de la place en fait. J'ai tellement capturé de machin. En plus, il y en a que je dois ramener au musée, c'est génial. Il y a un machin bidule truc. Hein. Je suis sûr que je vais lui faire peur. Mais non, c'est ça, échappe-toi, vas-y. Oh, de toute façon, ça doit pas être ça, donc. Mais oui, vas-y, reviens à la surface. Allez, saute, bordel. Pas plomb, quand même. Ah là, je sentais que cette vidéo serait vraiment du bordel, en fait. Parce que c'est ça, en fait, ça prend énormément de temps à tout avoir, en fait. C'est bien ça le problème. Bon, c'est déjà bien que j'en ai trouvé un. Il faut dire que c'était facile aussi. Non, c'est vraiment chaud pour avoir une pétongle. Une pétongle. Quand même, le nom me fait rire aussi. Tu lui fais peur? Parce que, il se peut que. Attends, j'ai froid maintenant. Tantôt, tu t'en foutais, maintenant t'as froid. Non, mais logique, quoi. On va refaire un peu le sac ici. De toute façon, je vais bientôt arrêter de tourner en rond dans l'eau. Bon. Mais non, c'est trop petit. Mais non, mais non, mais non. En même temps qu'on fait de face, ça va dire pour voir, hein. Non, sérieusement. C'est là qu'on voit que je m'ennuie un peu, quoi. Mais c'est encore trop petit! C'est un peu plus gros que ça, le machin que je cherche. Oh, espèce de jeu de caca boudin. Bon, autant arrêter maintenant parce qu'il est déjà bientôt le moment. Tant pis. Tant pis. Je vais arrêter là parce que c'est cher. Enfin, arrêter là. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer. Je vais quand même retirer le maillot avant. Non, je suis bête. Et donc, on se revoit très vite après. Voilà, comme ça, vous aurez vu le bienvenu. Mais bon. Ok, on va voir ce qu'il y a eu de changé chez les habitants. Alors, Colvert est chez lui. Très bien, parfait. On va lui demander ce qu'il veut. Vous voulez quoi, monsieur Colvert? Un bar? Ah. J'ai le bar commun, mais le bar normal, bon, lui, ça devrait pas être trop dur à pêcher, donc ça va. J'ai déjà préparé ma canne à pêche. Ah ben non, je suis bête, j'ai tout déposé. Mais oui, parce qu'en fait, je voulais me faire de la place. J'ai plus qu'à retourner à la plage. Voilà, j'ai récupéré ma canne à pêche. Alors, attends, on va voir s'il y a d'autres. Ouais, il y a Miro chez lui, on va aller voir Miro entre-temps. D'abord, on va essayer de trouver un bar. Alors, un bar, c'est censé être assez gros. Un gros poisson. Oh, la console, t'arrêtes de bouger. Faut que je la mette bien dans le fond, peut-être. Voilà. Enfin, quand je dis bien dans le fond, c'est correctement, quoi. Alors, j'imagine que Cédric aussi. Ben non, Cédric. Ouais. Cédric, lui, il préfère se balader, c'est comme ça. Donc, on va aller voir Miro. Alors, monsieur Miro, qu'est-ce que vous voulez, vous? Tu veux. C'est la fête du bar ou quoi alors? Ok, j'ai compris, va pêcher plein de bars. Hein. Bon, bah, c'est parti pour trouver des bars. Hein. Des bars, barbares. C'est des barbares. Voilà, je fais encore des blocs de merde. Bon, allez. Ah, c'est pas facile à voir, hein, parce que vu que j'ai dû baisser la luminosité. Juste pour essayer, hein, mais bon. Et j'avoue, pour moi, c'est pas pratique. C'est un peu trop fin, ça. Oh, juste même plus en fait, mais un bar commun c'est censé être gros quand même. On va quand même tenter le poisson là-bas. Allez, petit poisson, regarde la prise. Une heure plus tard.
Ah bah il est temps, hein. Bah non, c'est pas ça. C'est une carpe. Voilà, j'avais déjà donné une carpe à Patty, c'est bon là. Je veux bien pouvoir trouver des barres là. Voilà, j'essaie d'autres habitants. Est-ce que Blanche elle était chez elle? Je crois que non en fait, mais bon, enfin, je vais quand même aller vérifier vu que je vais passer tout près de chez elle. Est-ce que Blanche était pas chez elle tantôt? Ok, c'est parfait. Bon, je vais aller voir Blanche maintenant. Alors, ça va me demander quelque chose de plus original. Vous voulez quoi, mademoiselle? Un barbeau. Oh, mais du... Pourquoi c'est toujours des poissons que je n'ai pas? Vous êtes chiant. Il me reste même plus beaucoup de temps, donc... C'est pas sûr que je puisse terminer celui-là en vidéo. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? La fête des récoltes, c'est pas pratique pour moi, hein, comme fête. J'aurais bien voulu au moins... Mais bon, tant pis. Ça m'apprendra à faire de la recherche aquatique aussi longtemps, qui sert à rien du tout. Et voilà. Bon, au moins, cette vidéo vous servira à savoir quelle sera la prochaine vidéo. Suspense. Et ce sera pour mon anniversaire, voilà. Oui, c'est bientôt mon anniversaire, c'est dans 2 semaines, quoi, pour arrondir. C'est le 9 décembre, si ça vous intéresse, comme ça, si vous avez envie de me dire un petit joyeux anniversaire, hein, vous le saurez comme ça. Bref, j'en dirai plus quand ce sera la fête en question, hein. Bon, maintenant, les poissons, vous sortez. Et sinon, Clarabelle, elle était chez elle, peut-être qu'elle est re-chez elle et qu'elle veut re-quelque chose d'autre. Oui, je sais, je suis chiante, là. On va quand même essayer de voir ce qu'on peut pas trouver ici, mais bon. Mais n'empêche, ça veut pas sortir de leur nez, là. Il est gros celui-là, non, il est un peu trop petit, là. Ah, mon Dieu, c'est chiant. De toute façon, j'ai plus assez de temps, donc... Je vais bien continuer, mais ça sert à rien. On va continuer encore un petit peu. Si je trouve pas, bah tant pis, hein, écoutez. Hein. C'est comme ça, hein. Voilà, c'est... Non, c'est vraiment long à faire comme fête, hein. Faut vraiment être patient pour faire ça, en fait. Ouais, je crois que ça sert à rien, parce que je vois rien du tout. Ben non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, je vais quand même... Je vais juste repopper comme ça. Ok, bon. Ah bon, là, un gros poisson, j'espère que c'est ça. Allez, le fait que ça soit un bar, ça m'arrangerait, franchement. Ah ben non, c'est un brochet. Non mais, sérieux, le jeu, on m'a même pas demandé ça. Je disais parce qu'un brochet, c'est censé être rare comme poisson, mais... Mais je veux un poisson qui est facile à trouver. J'adore la logique du jeu, quoi. Il se fout royalement de moi. Non, c'est un peu petit, ça, mais bon. On va le pêcher quand même, mais c'est petit, hein. Bah, voilà, c'est... Ah, bah voilà, c'est bon, en fait. Voilà. Attends, c'était qui encore que... Oui, c'était Blanche. Bah, ça va, en fait. Bah, tant mieux, écoutez, on va aller voir Blanche, hein. J'ai encore bougé la caméra, c'est génial. Ouais, j'ai ton barbeau, t'es contente? Bon. Oula, attendez, il est où? Parce que c'est le bordel là-dedans. Ah bah ouais, c'est celui-là. Alors, tu vas me donner du lait? Merci, Blanche. Il me restera plus que le pétongle et du beurre. Attendez. Bon, on m'avait appelé en fait. Elle a dit pour une salade de champignons, ça en fait. Ok, ce sera sans doute pour la prochaine recette, ça c'est possible. Ok. Bon, allez, je vais aller jusqu'à la place. Hein. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici parce que ça sert à rien de faire plus, hein. Voilà.
C'est ici que je vous laisse, mes chers amis. Je commence déjà à bafouiller là. Donc, je vous dis au revoir et peut-être à bientôt.